Bonjour les enfants, c'est encore Madame Sec, donc pour vous parler maintenant de l'étendue. Qu'est-ce que c'est que l'étendue? Donc l'étendue, c'est la différence entre le maximum et le minimum dans un ensemble de données. Ça, c'est la définition. J'ai demandé, donc je vous donne maintenant un exemple. J'ai demandé à cinq enfants leur âge. Voici leur réponse. Donc 7 ans, 9 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors, donc, ces enfants ont répondu, quand je leur ai demandé leur âge, 7, 9, 3, 5, 10. Alors, maintenant, je veux trouver l'étendue de ces données-là. Comment trouver? On fait une soustraction. Le maximum, c'est-à-dire le plus grand nombre, donc la plus grande réponse qu'ils ont donnée, moins le minimum, qui est le plus petit nombre. Maximum moins minimum. Donc, ça, c'est la formule à utiliser pour trouver l'étendue dans des données. Alors, le maximum, c'est 10, parce que leur réponse, c'était 9, 7, 9, 3, 5, 10. Alors, le plus grand nombre est ici, c'est 10. Et alors, le minimum est 3. Donc, 10 était le maximum. 3 était le plus petit, donc c'est le minimum. Alors, on fait la soustraction 10 moins 3. Égale 7. Alors l'étendue ici, c'est 7. Maintenant, comment trouver l'étendue si les données sont dans un diagramme à bande? Bien sûr, il y a beaucoup de façons, mais le plus rapidement possible, c'est de regarder ici. On a demandé à des élèves le nombre de membres dans leur famille. Alors, le minimum, donc le plus petit nombre de membres dans une famille, c'était 2. Et le maximum, c'était 6. Alors ici, l'étendue, bien sûr, doit être 6 moins 4 moins 2, donc égale 4. Alors 4 est l'étendue ici. Alors, donc le calcul, bien sûr, à faire, encore une fois, c'est une soustraction. 6 moins 2 égale 4. Et 6 étant le maximum, le plus grand nombre qui est là. Donc la plus grande réponse que les enfants ont donnée pour les membres de leur famille. Et 2 étant le minimum, 6 moins 2 égale 4, qui est l'étendue. Voilà.